Vers un début de solution à la problématique des manques d'eau dans les chefferies de Bouicha et Boukoumou et particulièrement dans le secteur des Mikeno aux alentours du parc de Virunga, les décideurs politiques de la province du Nord Kivu ont suivi ce lundi 20 juillet 2020 une séance de restitution de l'étude de faisabilité de l'approvisionnement en eau potable dans les entités susmentionnées. Étude menée par le projet Water for Virunga qui compte réaliser la première phase de ce projet au plus tard en mars 2021. Au cours de cette séance, les députés et membres du gouvernement provincial du Nord Kivu ainsi que d'autres partenaires ont été mis au parfum sur les prévisions de ces projets. Il en ressort que l'eau partira du réservoir de Kamira dans les Rutshuru jusqu'aux abords de Kibumba par gravitation. Le tout sur financement des Pays-Bas. Selon la chef de projet Virunga for Water, Madame Brigitte Mapendo Mutambala, il faudra d'autres fonds pour desservir tout Kibumba et Bouumba par système de pompage. Le projet que nous menons est un projet de transformation de conflits. La transformation de conflits, parmi ces conflits, il y a le conflit entre le parc et la population. Et la population qui va dans le parc pour aller chercher de l'eau, alors une des réalisations du projet, c'était de prendre de l'eau à partir du parc et de l'amener vers l'extérieur pour qu'il n'y ait plus de descente dans le parc pour aller chercher de l'eau. Le gouverneur Karlin Tanzu Kasivita s'est réjoui de ses débuts de solution aux problèmes d'eau dans ce secteur des Mikeno. Occasion pour lui d'en appeler à d'autres partenaires pour appuyer ce projet. Nous souhaiterions qu'il y ait des partenaires qui soient avec nous, qui peuvent avoir les ressources et qu'ils puissent aussi commencer à regarder cette question. C'est un impératif. Nous pensons que nous avons besoin d'abord de l'eau. Signalons que MDF est également impliqué dans ce projet.